tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon retour, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes de wow. Aujourd'hui, le vlog tant attendu. Ma veille et mon jour de rentrée, genre en terminale. Vous allez me suivre pendant toute cette journée et puis la journée de demain. On est lundi 2 septembre et je rentre demain puisque je suis en terminale, donc je rentre le deuxième jour. Ce matin j'ai mis, fun fact, hier j'ai installé un réveil parce que j'ai sur un programme en gros pour se détacher de son téléphone. Oui, encore plus. Vous avez vu ma vidéo la semaine dernière, oui. Il disait qu'en gros, le problème c'est qu'on a grave une relation avec notre téléphone. C'est la première chose qu'on utilise le matin en se réveillant et le soir en se couchant. Et je me suis dit, si je mets un réveil, genre physique, un réveil, l'objet, je toucherai pas mon téléphone. Et en fait, il a pas sonné mon réveil. Thanks God, je l'avais mis aujourd'hui et pas demain. Mais du coup, je me suis réveillée, il était 7h, alors je voulais me réveiller à 5h30. Du coup, j'ai bien dormi, mais j'ai un peu rien fait ce matin. Du coup, demain matin, je pense que ça va être un peu plus dur. Parce que du coup, hier, on était dimanche, je me repose tout le temps, donc je me suis réveillée à 10h. Ce matin, 7h, comme tout, je me réveille à 5h30 du matin. C'est pas possible. On y croit, hein, mais ça va être dur, on va rentrer, je pense. Bref, donc là, je suis en train de voir mon petit gua sha. Si vous avez vu ma vidéo, c'est un peu une habitude que j'incorpore dans ma routine. Des fois, je skip parce que genre, ça prend du temps, en fait. Mais c'est grave, c'est satisfaisant. En plus, la pierre, elle est froide. Bref, dans cette vidéo, on va se préparer pour l'entrée, j'ai envie de vous dire, mais pour de vrai. Si vous me suivez depuis au moins l'année dernière, vous savez que je vais pas dans un lycée qui est vers chez moi. Non, non, non. Donc je vis chez mes grands-parents la semaine. Et donc du coup, il faut que je fasse ma valise et que je prépare toutes mes tenues. Ça c'est pas ouf par contre. Et en soi, rien que faire ma valise, je pense que c'est tout de suite vidéo en soi. Un peu ranger ma chambre, enfin je sais pas. Et puis tout ce qui est self-care, genre faut que je me repasse une façade comme on dit. Je sais pas si je me lave les cheveux, je sais pas, voilà. Gommage, rasage, lavage de cheveux peut-être, décapage. Un autre truc que j'avais fait pendant les vacances, c'est genre j'ai pris un carton comme ça d'un colis que j'avais reçu et j'ai mis dedans tous les trucs qu'il faut que j'amène, genre j'ai tout regroupé pour pas oublier. Et aussi je vous avais fait un petit haul de trucs qu'on avait acheté, l'eau micellaire, le masque pour les cheveux, un savon pour le corps, du déo, etc. J'ai pris 2-3 petites décos de ma chambre qui ne me servent pas ici, que je vais mettre dans ma chambre chez mes grands-parents pour l'habiller un peu. Voilà, ça va être fun, ça tient dans ma valise j'espère. Donc j'ai sorti ma valise. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout ce qu'il faut que je mette dedans et après on remplira pour optimiser au mieux l'espace, je dirais. En fait ça tient tout et la valise elle est limite trop grande, donc je vais vous montrer après vite fait. Non, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai mis dedans. J'ai pris un gilet au cas où, un coussin que j'utilise pas, une chemise, ça serait pour la semaine, mon lisseur, les petites décos. Je vous ai dit ça c'est une boîte, je me dis ça va me servir. Là c'est un cahier de brouillon et méthode bag. Et en dessous en fait c'est toutes mes baskets. Là mes baskets pour courir, là il y a ma peluche, mes baskets pour le sport et mes baskets normales. Et là-dedans que j'ai fermé, là c'est un peu plus, enfin il y a un peu plus de trucs, mes journaux. Là-dedans c'est une pochette où je mets tous mes câbles, mes chargeurs, j'ai mes AirPods et mon casque dedans aussi. Là c'est ma trousse de toilette qui est pleine. Là il y a des trucs qui tiennent pas, mon eau micellaire, mon shampoing, mon ordinateur, mon pyjama, et après globalement c'est tous mes vêtements. Je vous remets, c'est bien rangé, on dirait pas, mais... Et j'ai aussi pris, vous savez, le truc pour couvrir les manuels fourrure. Donc voilà, ça par contre c'est plein et j'espère juste que j'ai rien oublié. Et puis là j'ai mon sac, je prends quand même un sac à dos même si j'ai pris mes tote bags au cas où. Ma trousse avec mes crayons de couleur et mes feutres, des fois on en a encore besoin. Ça c'est ma trousse de recharge, des stylos, de la colle et tout. Parce que des fois j'en ai plus et c'est un peu la semaine donc je peux pas attendre le week-end pour en avoir. Ma trousse de cours, j'ai eu ma vidéo à fonction scolaire, ça fait un peu déjà vu. Ça c'est des magnettes, parce qu'en fait quand j'étais au collège j'avais un tableau blanc, j'avais acheté des magnettes et tout, et comme je l'utilise pas, il est vraiment sous mon lit, je vais l'utiliser pour chez mes grands-parents pour faire mes to-do list. Au moins il servira à quelque chose chez mes grands-parents. J'ai pris mon agenda avec dedans les petites étiquettes. Ça se trouve on aura des manuels mais comme l'année dernière on va pas s'en servir, donc bon. Des
fiche Bristol que je vais laisser là-bas et un carnet, une sorte de calepin comme ça. Mes manuels que j'ai achetés, donc philosophie et humanité, littérature, philosophie. Beaucoup de philo cette année. Ma gourde, ma pochette avec dedans toutes les feuilles, feuilles simples, feuilles doubles, feuilles à carreaux. Et mes trois classeurs, du coup je sais toujours pas comment je vais m'organiser. Deux grands, les mêmes, mais il y en a un noir et un blanc. Et un fin comme ça. Et puis dans la poche de devant, une calculatrice. J'ai pas hâte. Une pochette avec dedans des serviettes, des mouchoirs, des chewing-gums. Mes clés. Regardez, avec New York. Et mon petit porte-monnaie. Voilà mon petit what's in my bag. Je vous avais même pas montré mes sacs dans ma vidéo fourniture scolaire. J'avais coupé parce que sinon c'était trop long. Mon sac, c'est un noir Vans. Comme ça. Et écoutez, il est déjà 3h30 et ma maman vient me chercher à 5h. Il faut aller chercher mon frère entre temps. Donc je vais prendre ma douche maintenant. Donc voilà, c'est parti. Saison 2. Je suis chez mes grands-parents. Je suis tout seul. Et du coup j'ai pu tout installer dans ma chambre. Je vous ai pas vlogué, en vrai j'aurais pu vlogger l'installation, mais je sais pas, j'étais un peu dans mon monde. J'avais mon petit casque, j'écoutais mon podcast et tout. Mais voilà, c'est tout frais, donc évidemment je vais faire un petit room tour. Le miroir, le fameux, la douche, un autre miroir. Voilà. Et juste à côté, il y a ma chambre. C'est très orange. Voilà, j'ai mon téléphone qui charge parce que j'ai plus de batterie. Là, c'est ma coiffeuse avec ce grand miroir. J'ai installé du coup mes petites plantes que je vous avais dit. Là aussi, j'ai installé des trucs qui rentraient pas dans mon tiroir. Ma table de nuit. Là, j'ai pour écrire et des mouchoirs. Mon lit, j'ai mis mon petit coussin jaune. Un plaid rose que j'avais déjà l'année dernière. Ça rajoute de la couleur, j'aime trop. Un peluche, évidemment. Et j'ai mon mur avec mes photos et tout. Et mon bureau avec ma chaise qui est détruite. Ça, c'est dans ce que j'ai fait dessus vraiment à part étudier. Cette peinture que j'ai faite dans la saison 1 de mes Summer Diaries. Je crois que c'était le premier épisode. Cette lampe qui est sublime, qui est rose, j'adore. Une petite. Ça, c'est la rose que j'ai eue pour mes 17 ans. Et du coup, le tableau blanc, je l'ai mis ici. Ça prend la place. Donc, je sais pas si je vais l'accrocher au mur parce qu'il y a une ficelle. Là, j'ai un peu rangé la One Again, mais c'est en attendant. Ici, c'est un peu le bazar. Mais en vrai, non, ça va, c'est rangé. C'est tout le stock. Et ici, mes carnets et mes pochettes. Et voilà. Un fauteuil. Où je mets mes affaires pour demain, j'ai déjà tout préparé mon sac. Des fois je me mets dessus pour lire ou quoi parce que j'ai pas trop envie d'être sur mon lit. Et les armoires. Et voilà mon petit room tour. Donc là je vais aller dîner.